Bon, ça, il faut que je sorte ça de l'atelier. Et ça aussi, en fait, c'est moins urgent, mais il faut que je le fasse, sinon ça va durer jusqu'au mois de mai. Salut, bienvenue aujourd'hui pour pas grand-chose finalement. Ça sera pas la cuisine de Laurent, ça viendra la semaine prochaine ou au moins quand j'aurai fini de le monter. Mais voilà, j'ai pas fini et je préfère pas vous livrer un film de choses à moitié faites. Ça sera un film complet sur toute cette cuisine-là, sur le multiligne et sur le compact, le stratifié compact polyuré, où est-ce qu'il est, le machin bleu là. Le truc bleu derrière moi au fond, voilà ça. C'est pas des matériaux très faciles, donc je vous ai préparé un film sur leur utilisation et la fabrication de caissons et puis de l'assemblage pour faire une cuisine. Ça viendra à la suite de l'évier que j'ai fait la semaine dernière, les trous d'évier dans un plan de travail en stratifié. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la préparation de l'atelier en vue de mon opération de la cheville. Je suis désolé, ça m'obsède. Je vais me retrouver dans 10 jours à peu près sur des béquilles et je ne vais pas résister à l'envie de venir au moins un petit peu dans l'atelier, faire un peu de CNC. Donc il faut que ça soit béquille compatible. Donc j'expédie les affaires courantes, la cuisine, enfin je l'expédie façon de dire, je la finis en tout cas et j'irai la poser la semaine prochaine. Mais j'ai aussi des petites réparations à faire pour un voisin, pour ma mère, voilà, des petites bricoles qui viennent remplir mon temps de menuisier. Entre deux chantiers, il y a toujours des petites bricoles comme ça qui viennent s'intercaler. Donc on va faire ça ensemble. Allez, en avant! Bon, Lionel, c'est prêt, hein, tu peux venir la chercher. Allez, un petit tiroir. Mais quel peintre, c'est pas vrai?
le tiroir est trop grand, j'ai plus qu'à recommencer un tiroir. Celui-là, je ne sais pas ce que je vais en faire, autre chose en tout cas. Donc, ben voilà, je vais recommencer un tiroir et ça, vous aurez ça la semaine prochaine. Mais quels sont ces petits connecteurs qui te permettent de monter un meuble comme ça? C'est des Clamex de chez Lamello. Et j'ai acheté il n'y a pas longtemps la lamelleuse Zeta P2 qui autorise la pose de ces connexions magiques. Je vous ferai un retour en tout cas là-dessus prochainement parce que c'est franchement génial. Pour faire simple, la petite lamelleuse elle permet d'insérer dans les deux éléments assemblés des clamex qui se verrouillent entre eux avec une petite clé. C'est-à-dire qu'en tournant le petit bouton, là, hop, on vient les prendre l'un dans l'autre. Alors évidemment, si je vous le serre, on verra plus la petite cam. Mais voilà, il y a un mâle et une femelle et on les serre ensemble. Et si j'arrive à trouver le trou, j'étais allé où ? Tac et tac. C'est serré, c'est solide, ça permet de monter des caissons très rapidement, mais aussi des meubles avec du bois massif. J'avais toujours hésité à acheter cette machine lamelleuse Zeta P2 parce qu'elle coûte quand même un peu cher. Mais finalement, au bout du compte, avec les caissons que j'ai fabriqués et puis avec les meubles à venir que je vais pouvoir monter de la même façon, monter et démonter, c'est-à-dire partir sur le chantier avec les meubles démontés à l'intérieur du fourgon, comme on l'a fait pour la pose de la cuisine, ou partiellement démonté, et ben c'est un gros avantage et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point on arrive à monter et démonter. Il faut faire gaffe de ne pas abîmer les coins, mais en dehors de ça, c'est vraiment super. Je vous ferai un retour là-dessus prochainement. À 20 minutes pour construire le meuble et 20 minutes pour enlever l'étiquette. Et je peux pas dire que ça vaut pas le coup, c'est des meubles à ma mère et donc voilà, ça se discute pas, il faut les refaire. Mais il y a du boulot.
pour ces chaises en chêne qui viennent du Pays de Galles, je vous emmènerai sur une autre vidéo sur la dépose de tous les éléments et la préparation pour un collage, et puis le collage qui va être un peu folklorique parce que on peut serrer nulle part. Allez, santé. Bon, je me suis rentré de l'atelier. L'ordinateur est en train de calculer le film que vous êtes en train de voir. Voilà, mon quotidien, il est aussi tendu que ça. C'est-à-dire que le film que vous voyez généralement le samedi, il a été fini de monter dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai pas plus d'avance que ça. J'ai jamais réussi à en prendre plus que ça. Une fois ou l'autre, j'ai fait peut-être un film d'avance, c'est-à-dire 3-4 jours d'avance, mais j'ai jamais réussi à prendre plus d'avance que ça. Aussi, dans cette partie vlog, on va développer le fait que les films ne seront pas forcément tous les samedis soirs, ils seront des fois un jour de semaine. Ça va être le soir de toute façon, publié à 20h30. La principale raison à ce changement de calendrier, c'est que mes projets ne prennent pas forcément une semaine à fabriquer et à filmer. Des fois, ils prennent plus longtemps que ça, des fois, ils prennent moins longtemps que ça. Et le rythme que je me suis imposé, et qui est un petit peu dicté par YouTube et Google, ils disent « soyez réguliers, soyez réguliers, soyez réguliers ». Moi, j'en ai un petit peu marre. Ça va être de temps en temps, ça va être à peu près une fois par semaine aussi, mais ça ne va pas forcément être le samedi soir à 20h. Alors, pour pallier au fait que vous ne serez pas forcément informé, je vous invite à appuyer sur juste en dessous, là, il y a la petite cloche. Comme ça, vous aurez une petite notif dans votre flux d'informations, de commentaires divers. Vous auriez, paf, Verdier, il a mis une nouvelle vidéo. Donc, vous pourrez regarder cette vidéo. Ça ne sera pas forcément le samedi soir à 20h30. Il y en aura le dimanche, il y en aura le mardi, il y en aura... Ça sera le soir à 20h30 ou 21h, mais ça ne sera pas forcément le samedi. Le rythme des vidéos, une fois que je serai sur béquille, et ça va durer quand même pas mal de temps, j'en ai pour 6 semaines de béquille, ça va pas forcément être le même non plus, ça va pas être les mêmes projets forcément, il y a des choses que je pourrais pas soulever, il y aurait des choses que je pourrais pas déplacer, rien que déplacer un panneau avec deux béquilles, je sais pas si vous voyez le travail, je vais demander des coups de main à droite à gauche pour m'aider à faire avancer le boulot, et je vous proposerai en tout cas des vidéos qui vont tourner autour du thème de la CNC, soit de la partie dessin, soit de la fabrication. J'ai 2-3 petits projets à fabriquer que je vais faire avec vous. J'ai 2-3 autres petits films à vous préparer, tel le film sur les lamellos de Clamex, les Clamex de lamellos. Voilà, donc il y aura ça à venir. Il y aura un petit peu de CNC. Je vais vous proposer de la topographie. Je me suis documenté. J'ai commencé à avancer sur le sujet après le premier essai que j'avais fait pour Heliox, la petite boîte bleue que j'avais faite pour elle. J'ai continué à avancer sur ce terrain-là et c'est pas encore fait, mais ça avance. Je me fais livrer du Velcromate la semaine prochaine, donc 3-4 jours avant d'arrêter tout. Donc je vais pouvoir vous proposer du terrain en valchromate, il y aura du bleu, du marron, du vert aussi, et puis sans doute du gris. Donc voilà, je vais fabriquer du terrain et puis dessiner du paysage avec du valchromate. Je vais tout faire pour garder un contenu riche sur ma chaîne malgré les béquilles, donc j'espère que vous pourrez me suivre. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez informé quand il y a une vidéo qui sort. Je ne sais pas du tout à quel rythme je vais pouvoir le faire. Voilà, c'est la raison principale pour laquelle je vous invite à appuyer sur cette petite cloche. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt. Allez, à ciao !
Et santé.